monde, nous sommes samedi 7 septembre 2019. Hop. Quelle heure est-il? Il y a un truc. Ah non, c'est là-dessus. Il est 9h40. Voilà. Donc on s'est levé relativement tôt ce matin. On était réveillés de bonne heure, donc bah voilà, on s'est levé. De toute façon, vous savez, on n'est pas des lève-tards, nous. Voilà, Alexis a déjà fait ses devoirs, donc il en a fait une partie hier soir, une partie ce matin. Donc voilà, très bien, il a encore l'espagnol à faire, mais il fera soit cet après-midi, soit demain. Donc, il y avait des maths du français, de l'anglais, de l'espagnol. J'ai réussi à me reconnecter sur Pronote, je vous avais dit l'autre fois que c'était un système différent. Mais en fait, les deux systèmes sont liés, mais je pense que la liaison n'avait pas été faite. Au départ, il fallait peut-être un peu de temps. Moi, je m'excite tout de suite, mais. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai réussi à me connecter à ça, Pronote, donc c'est génial. Je pourrais suivre. Voilà, aujourd'hui, le programme. Bah, alors, aujourd'hui, au niveau du temps, il fait moyennement frais, ça va, il fait moins froid qu'hier matin. Et il fait pas très beau, par contre, pour l'instant, il n'y a pas de soleil, il y a des nuages blancs, mais bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va sûrement aller au centre commercial de Vélizy 2. On va aller tester, vous savez, je vous avais montré dans un vlog, ils ont fait une nouvelle partie avec tout un tas de restaurants. Et je pense qu'on va aller tester un des restos ce midi, un des restos qu'on ne connaît pas. Il y a des chaînes qu'on connaît, mais on ne va pas les faire du coup, parce que voilà, le but du jeu, c'est d'en découvrir un autre. Donc je pense, moi j'aimerais bien aller manger au Big Fernand, tester ça, mais bon, on verra sur place les envies de chacun et on se mettra d'accord. Donc ça va être plutôt sympa, puis faire un tour au centre commercial. Voilà, voilà. Et donc, en fait, il va falloir que je je vais faire du tri dans les blousons, parce que en fait, j'ai gardé des blousons, là, mais qui sont abîmés à Alexis d'hiver. Donc je pense que je vais le jeter, mais parce qu'il est tout déchiré à la poche. Par contre, tant que j'en ai pas racheté, je vais le garder, on ne sait jamais. Le blouson d'hiver, je ne vais pas le racheter tout de suite parce que on n'est pas encore en hiver et que voilà, s'il grandit et tout, ça ne sert à rien. En blouson de mi-saison, je pense qu'il a ce qu'il faut. Moi, j'ai ce qu'il faut plus ou moins. Et c'est pareil, mon blouson de. J'avais une doudoune d'hiver que j'avais acheté chez CA l'année dernière. La fermeture éclair est cassée. J'en avais deux en fait. Et mes deux fermetures éclair ont pété, quoi. J'étais partie, quand on était parti, je sais plus où, avec David, j'arrivais plus à fermer mon blouson. Ah bah c'était quand on était parti en Normandie au mois d'avril ou mai l'année dernière et que parfois il faisait frais. Je pouvais plus faire mon blouson, c'était galère. Ça coupait pas du vent en fait, du coup, parce que j'étais obligée de le laisser ouvert. Alors quand je le fermais, je pouvais plus. Enfin, fallait qu'on s'excite sur la fermeture, c'était une galère. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, est-ce que je vais racheter des trucs? Je sais pas encore, je vais voir ceci. Enfin, moi pour la mi-saison, j'ai. Alors ma petite veste noire là qui est super légère, qui est un peu. Si je mets un gilet en dessous, ça va. J'ai ma veste en jean, voilà. Donc j'ai pas non plus 150 000 trucs. Ah merde. Attendez. Donc j'ai été interrompue par la sonnette. En fait, c'était David parce qu'il était sorti. Il est sorti aller mettre un truc à la poste. Et en fait, voilà. Donc je suis ouvert. Il n'avait pas les clés. Du coup, je sais tout ce que je voulais dire. Donc voilà, je ne sais pas si on va faire des achats ou pas. Si c'est le cas, je vous montrerai. Ah, attendez. Bon. Je suis montée parce que je suis interrompue sans arrêt, c'est insupportable. Du coup, je sais plus ce que je vous disais, mais bon, bref, on va au centre commercial. Et puis, bah, je vous montrerai si on fait des achats, ce qu'on fait, ce qu'on mange, machin, machin, machin. À plus tard. Bon, on est arrivé, on va aller sur le resto. Regarde ici. Et tu vois, regarde. Là, regarde, là-haut, il y a le Old Wild West comme à. Voilà, donc on est dans l'espace où il y a plein de restos. Ah non, tu vois, ah oui, c'est le même celui-là. Il y a ça aussi, le Baker Street, là. Et le Big Fernand, il doit être là-bas. Tiens, regarde David, c'est marqué Westfield Vélizy 2, le 14 septembre. Et là, on peut choisir son poké.
faire ses propres trucs comme ça, c'est pas mal. Finalement, on va aller là parce que Big Fernand, bah, là, ça nous tentait pas. On va aller là. Ça a l'air pas mal. Voilà, on a fini de manger. Les burgers là, c'est 221 Baker Street, le resto, qui sont énormes. J'ai même pas pu finir. Alexis non plus. Donc David, il a fini nos deux burgers et nos frites. Il va être malade. Bon là, on va se promener en centre commercial. Je sais pas si je vais filmer parce que il y a du people, des people. C'est cool. Voilà. On est rentré. Il est 3h10. Donc voilà, il n'est pas très tard, hein, donc c'est cool. Il y avait vachement de monde au centre commercial, donc j'ai pas pu beaucoup filmer. Et ouais, c'était vraiment blindé, blindé. Et à la fin, j'en avais ras-le-bol. Donc on est rentré. On a fait pas mal de magasins. Il y en a, c'était juste pour voir. D'autres, on a acheté. Donc ce midi, ouais, donc on a mangé à Baker Street, là. Putain, c'était énorme, les trucs. Oh, mais bon, c'est pas donné aussi, mais voilà. Si on y retourne, je tente autre chose que les burgers parce que c'est trop gros et pourtant moi je mange bien. J'ai pas de difficulté à manger, j'ai pas de difficulté à finir mes plats et là j'ai pas pu. Donc c'est pour dire. C'est fou quoi. Ou alors j'ai mon estomac à rétrécir. Ce qui serait une bonne nouvelle, mais non. Par contre, on avait des achats. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Je ne sais pas trop si je vais faire un truc à part, mais je crois que je vais le mettre dans le vlog et puis ça ira bien comme ça. Alors, je vous montre. Alors, il y a des choses que j'ai achetées pour moi, des choses que j'ai achetées pour Alexis, des choses qu'Alexis s'est achetées. Donc, voilà. Alors, vous savez qu'Alexis adore les pop, il a toute son étagère avec des pop. Et à la Fnac, il y avait une promo. Deux pop achetés, le dernier offert. Sachant qu'un pop, ça vaut quand même 15 euros. Donc, Alexis en a payé un, j'en ai payé un, et le troisième a été offert. Et il s'est acheté des cartes Fortnite. Donc, il s'est pris le pop 458 Zoé. Voilà, comme ça. Je crois que dans mes abonnés, ça ne vous intéresse pas des masses, mais je vous montre quand même. Lui, c'est son truc. Il a pris toujours dans Fortnite 465 Ragnarok. Il y a un reflet, je suis désolée, mais voilà. C'est de l'un des ateliers. Enfin, c'était n'importe lequel gratuit puisque c'est le même prix. Le 442 Dark Voyager. Voilà. Vous voyez un peu, je suis désolée pour le reflet. Voilà. Et il s'est acheté des cartes. Donc, ça, c'est. Voilà, je vous l'ai déjà dit le prix. Des cartes. Il s'est pris des cartes à 6 euros. Il y en a 20 dedans. Voilà, c'est des cartes type. Cartes Pokémon, sauf que là c'est des cartes Fortnite. Ouais, il y a plein de cartes dedans, enfin bref. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai racheté ça pour cet hiver parce que l'année dernière j'ai du mal à en retrouver et là c'est dans un bac. C'est les chaussettes, vous avez les grosses chaussettes chaussons, enfin les grosses chaussettes comme ça, très épaisses, hyper douces, molletonnées, trop bien. Donc en fait j'ai pris, donc c'était deux paires à chaque fois, donc il y en a pour Alexis et pour moi. C'était 3 euros pour le pack de 2, le lot de 2. Donc 3 et 3, 6. Voilà, donc comme ça c'est bien. Parce que toutes celles que j'avais, il y en avait que j'avais depuis assez longtemps. Elles sont trouées, tout ça. Et ah oui, si je sais pourquoi. Il y en a pas mal que j'avais utilisé comme c'était assez grand et épais quand Alexis a eu son plâtre. Voilà, ensuite, je compte vite fait des culottes en coton blanches. Il y en a 3 pour 9,90€. Bon, je vous détaille pas tout parce que hein. J'ai pris Paris en noir, 3 pour 9,90€. Je crois que je vous montre un truc que j'ai reçu chez Wish d'ailleurs là-haut. Je me suis pris un blouson un peu type kawaii avec une capuche. Donc, il est rien de plus simple, il est tout noir. Il est tout noir et tout. Voilà. Fermeture éclair. Vous voyez un peu la matière que c'est. Bref, vous voyez ce que c'est. Puis je l'ai payé 49 euros.
notre rapido simple. Je me suis repris ça, là, l'hydra végétale, l'eau sur tonique hydratante. Donc je l'ai payé 5,40 au lieu de 9, je ne sais plus combien. Je ne sais pas si elle est prise d'origine. Ouais, 5,40 au lieu de 9 euros. C'est ça. En fait, d'habitude, je commande sur internet, mais là, comme j'avais que ça à commander, ça me faisait des frais de port, donc ça, finalement, ça, c'est pas intéressant. Et je tiens à acheter un parfum parce que j'aime beaucoup les parfums Yves Rocher. C'est Accord Chic Eau de Parfum Collection Secret d'Essence. Voilà, je t'ai découvert. Donc lui, il était à la base à 34,20€. Et je l'ai payé 22,80€. Voilà, 22,80€. Non, c'est pas ça. Je dis n'importe quoi. Il était à 57€. C'est quand même pas donné, c'est 50 minutes pour un parfum Yves Rocher. Il y avait 22,80 de remise, je l'ai payé 34,20. Mais ils sont très très bons, j'adore. Avant, j'étais passée chez Sephora. J'étais essayé plein de parfums, mais il y en avait plein qui me plaisaient, mais c'était 82€, genre les 50 centilitres. 50 centilitres. 50 millilitres. 50 centilitres. Et voilà, Accord Chic. Ils sont trop bons, si vous avez l'occasion d'aller les sentir. Il y a toujours des testeurs en plus, c'est Yves Rocher. Chez Sephora aussi, mais... Hop, entre la bouteille. Voilà. Et collection secret d'essence, j'en ai... Secret d'essence, comme de l'essence. Pas l'essence, ce qu'on ressent, enfin bref. J'avais déjà acheté un truc qui s'appelait secret d'essence, justement. Donc c'était dans la même gamme. Oula, je vais faire tomber... J'ai définitivement un énorme reflet, je suis mal placé. Ils sentent trop bon. Je vais pas en mettre parce que en fait, j'ai testé tellement de parfums chez Sephora que j'ai une tête comme ça de parfum. Ça me file mal au crâne. Donc voilà. Donc je vais ranger tout ça, je vais jeter la boîte d'ailleurs. Je vais enlever les étiquettes sur les produits et je vais remonter tout ça là-haut. Et puis voilà. Je vous dis à plus tard. Ah oui, là-haut, je vous montrerai un truc, oui. Faut pas l'oublier. Oui, voilà, je suis là-haut. Donc, en fait, il y a quelques temps, je suis sur Wish, mais je m'étais acheté une brassière. Voilà. Je voulais tester les brassières parce que des fois, cet été, j'en avais un peu marre des soutiens-gorge et ça me faisait mal. Enfin, ça me faisait mal. Non, c'est pas que ça me faisait mal, ça me gênait. Enfin, avec la chaleur et tout, bref. Et j'avais acheté une brassière chez Wish. Donc, je l'avais prise en blanche. Et donc j'ai testé, je l'ai lavé plein de fois, je l'ai mise plein de fois. Et je l'ai trouvé génial et je crois que j'ai dû payer ça. Je sais plus combien, il faudrait que je regarde sur Wish. Attendez. Voilà, je viens de vérifier, donc c'est 2€ la brassière et les frais de port sont à 2€. Donc j'en avais pris qu'une parce que déjà j'étais pas sûr au niveau de la taille et en plus j'étais pas sûr au niveau de la qualité, ça ne va rien que j'en prenne 150 000. Donc j'avais prise blanche comme je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai trouvé super, donc du coup je me suis recommandée. Donc je vous montre vite fait. Donc voilà, j'en ai pris une couleur un peu chère et une noire. Et ça se présente, elles sont comme ça quoi. Alors elles sont ultra simplissimes, c'est un peu foncé là. Mais elles sont super bien, l'élastique il tient. En fait je voulais aussi savoir si l'élastique là, enfin il tenait à force. Donc j'ai beaucoup lavé, je l'ai beaucoup mise tout le temps. Et ça tient toujours. Après voilà, donc à 4€ le truc... Donc j'ai recommandé, donc du coup j'ai une blanche, une noire, une beige, pas une chère, et je suis super contente, je suis trop contente, voilà, et maintenant j'ai du mal à remettre, hein. Par contre, hein, depuis que j'ai testé ça, surtout maintenant j'en ai plusieurs, j'ai du mal à remettre un soutien-gorge normal, mais ça viendra peut-être, on verra, c'est pas grave, je suis trop bien dedans, voilà, du coup... Il est encore super tôt, il est 16h20.
Je vais me mettre à monter le vlog, comme ça, ça sera fait. Je vais l'exporter, je vais le mettre en ligne pour demain. J'espère que j'aurai de quoi filmer demain, parce que on a même prévu de spécial. David et Alexis vont peut-être aller faire du vélo demain, pas encore sûr. David, il faut qu'il regarde le vélo d'Alexis, parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas utilisé, donc qu'il regarde les pneus, s'ils ne sont pas dégonflés, tout ça, n'est-ce pas? Et puis voilà, on va rien faire de transformant plus cet après-midi. De toute façon, là, on va être tous tranquilles, comme il nous reste du temps, on va tous vaquer nos occupations, ça c'est cool. Donc je pense que je vais clôturer là, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt.